Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Jeff Tuche, hein, pour rappel, chaîne de grands connaisseurs de père en fils. D'accord ? Donc, vidéo assez rapide, on va peut-être faire 28 minutes ce coup-ci de vidéo, hein, parce que je sais qu'il y en a qui aiment m'écouter, hein, déblatérer plein de conneries. Mais bon, là on va faire assez court, 8e journée de championnat, on reçoit les Merlus, ok ? Bon. Ça va être une analyse assez rapide. Je vais vous dire voilà, en 2-3 points la compo que je mettrai et effectivement le pronostic. Donc bon, on verra hein, si Jeff a du pif. Ok ? Monsieur équipé, hein, tablette. Attention les gars, hein, faut investir là. On passe un cap de vidéo, ça y est, bim. On a l'oseille, on dépense. Ok ? Donc au niveau du classement, on reçoit le 5e. Hein, le 6e reçoit le 5e. Attention, hein. C'est un match du haut de classement. Les Asiatiques, là, ils n'ont pas payé les droits, mais ils auraient bien aimé hein, voir Lorient-Lyon en prime time chez eux. Hein. Donc bon, il va falloir du spectacle. Par contre, le spectacle. Alors, ce que je vois, Lorient 5e, 8 buts marqués, 7 encaissés. Soit 15 buts en tout en 7 matchs. Les gars, on a payé l'abonnement, mais je ne suis pas sûr de voir du spectacle ce soir. Hein, parce que Lorient, ça bétonne. Hein. C'est l'autocar, c'est l'attente quechua et ça ne prend pas de filoche. Hein, parce que 7 buts en 7 matchs, vous me direz, c'est un but par match, hein, fait maths sup, mais bon, comparé à d'autres équipes, Lorient, ça défend bien. Hein. Donc en plus, il reste sur une bonne dynamique. Nul victoire, donc invaincu depuis pas mal de journées, Lorient. Donc il va falloir aller la chercher, la victoire. De l'autre côté, hormis le vol, je vais soulever un lièvre, hein. J'ai compensé les plaies là, mais Frappard, oh purée. Frappard, je m'en mêle les pinceaux là, Turpin. Voilà, le 12e homme pour Paris. Bon, hormis ce vol, on est sur une très très bonne dynamique. On rajoute le match de Glasgow également, où la victoire encore au mental, au forceps, au biceps, tout ce que vous voulez. Mais là, concrètement, ce soir, ça peut être vraiment le début d'une très belle série. On l'a déjà commencé, il faut peut-être la poursuivre, parce qu'ils sont devant nous, donc si on gagne, là, on se rapproche du podium. Attention, Marseille, hein, l'OM, là, ils sont deuxième, mais ouais, ça va vite chez eux aussi. Hein. Paris, bon. Pareil, hein, on les laisse où ils sont très bien, sans nous, dans leur championnat tout seul, hein, comme ça ils font les déplacements, ils font ce qu'ils veulent, la buvette, tout, ça, ils comptent pas sur nous. Mais ouais, il faut vraiment gagner les Guns ce soir, parce qu'il faut se rapprocher du haut de classement. Hein. Là, concrètement, 2 années sans Ligue des Champions, Papiola, il remballe, il tire rideau, il laisse la clé du stade. Hein. Là, il faut se présenter, il faudra quelqu'un d'autre, parce qu'on ne supportera pas. Hein. Déjà qu'on n'arrive pas à acheter un joueur en ayant de l'oseille, alors si on en a plus, il n'y a plus les droits de la Champions et les primes qui vont avec, les gars. Je pense qu'on ira jouer au stade du quartier. Il y en a à côté de la maison, là, mais c'est 30 places maximum. Hein. Donc, il faudra se battre pour les avoir. OK ? Bon, sur l'équipe, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, est-ce qu'on va faire du turnover ? Je pense quand même, parce qu'on a fini sur les rotules mercredi soir. Hein. Même nous, on est rentrés, on était fatigués. En les voyant, ils étaient cuits, ça nous a fatigué le cerveau aussi. Donc, bon, je pense en taux dans les cages. Hein, on maintient, on poursuit. De toute façon, il n'y a personne d'autre derrière, parce que l'Allemand, là, le Bosch. Bon, pour l'Hersberg, ma foi, faut des gardiens, il faut un autre gardien sur la feuille de match. Il fait très bien l'affaire. En défense, je pense que Léo va redevenir titulaire et va porter le brassard. Hein. Ça va te perdre, malheureusement. Je vois bien Boateng DNR, ok, et puis Emerson à gauche. Peut-être au milieu de terrain où ça va bouger. Milieu de terrain, par contre, comme je vous l'ai dit, ça bouge, mais je ne vois pas qui on va mettre. Parce que Thiago Mendes, alors que c'est nul. Donc bon, si on le met, on va encore le critiquer. Il n'est plus en confiance, il voulait se barrer. Donc il est là, on ne sait pas pourquoi il est là. Il a un bon salaire, je pense que ça peut justifier la chose. Je pense que Cacré, s'il y en a un qui peut éventuellement ne pas être titulaire, je vois bien Cacré. Peut-être Oussem, en milieu avec Bruno G. Allez, c'est mon petit pari. Enfin, peut-être que, ou parce que Oussem en ailier, c'est une catastrophe. Il ne court pas. Hein, il regarde ses lacets tout le match, il n'a pas d'envie, donc mettez-le au milieu de terrain, même si on demande à un milieu de courir, laissez-le là. Mettez-le au milieu parce que Bruno G, il fera le taf pour lui. Après, au niveau du milieu, je pense que Toko, il va revenir titulaire, parce que Toko est devenu indispensable, hein, vous l'aurez bien compris. Paqueta, mon idole,
Regardez, il est là, je sais pas si on le voit. Ah, j'ai le maillot, j'ai investi. Hein. Attention, hein. Je vous dis, il y a tablette plus maillot. Là, ça part, hein. Ça va tout droit. En ailier, Shaqiri, il ne va pas bouger. Et puis notre artiste, hein, Slimani, Islam. Bon, c'est ton jour. Moussa, il est blessé pour pas mal de semaines. Donc, Islam, voilà, tu as mangé ton tacos mercredi soir, tu l'as digéré, maintenant tu te mets à la salade. Ok? On a payé les places, on veut voir du spectacle. C'est toi qui vas porter l'équipe. Derrière toi, il n'y a pas d'attaquant. Personnellement, j'aurais peut-être tenté Toko en pointe parce que lui prend la profondeur, il sait faire le pressing, il est combatif. Et j'aurais peut-être mis quelqu'un d'autre. Et il est peut-être pourquoi pas tenter Cherki sur un match. Ah, mais Peter, je ne suis pas sûr qu'il soit fan. Donc bon, Islam, s'il te plaît, fais-nous rêver, Egon. Allez, mets-y du tien. T'as deux pieds. Comme tout le monde, tu as un pied droit, tu as un pied gauche. Il faut juste savoir les utiliser. On ne te demande pas la lune, d'accord? Donc bon, tu fais un 90. Tu as fait une interview. Tu es en conférence de presse, mon ami. Oh, s'il te plaît, conférence de presse et qu'on compte sur toi. Même s'il n'y a personne derrière, on compte sur toi. Tu as dit, je ne suis pas qu'un joueur de tête. Alors maintenant, fais parler tes pieds, mon gars. Parce que nous, on ne va pas te louper. Hein. Donc bon. Voilà ce que j'ai à dire sur mon grand copain Slimani. Donc victoire impérative, du beau jeu, les gars, s'il vous plaît. Hein, il y a du vent, là, attention, ça va aller vite. Du bois, Léo, il y a du vent. Quand il y a du vent, les centres, s'il te plaît, applique-toi. Hein. On ne va pas passer le match à te regarder courir, centrer de la tribune latérale à l'autre. Hein. Il y a des joueurs entre. C'est eux qu'il faut viser, ce n'est pas le stadier. Donc tu seras bien gentil, mon ami. Pardon. Donc sinon, allez, au niveau pronostic, je me mouille. On reste sur 2-3-1. Jamais 203, la passe de 3, la troisième est là-bas, bim, bam. Ah, les expressions, c'est pas trop mon délire. Allez, je pense ça sent le petit 2-1. 2-1 pour l'OL. Au terme de but, je sens que Islam, tu vas me faire taire. Tu t'es dit, je sais que tu l'as vu la vidéo, tu t'es dit, oh là là, Jeff Tuch. Ah purée, j'ai vu sa vidéo, il n'a pas aimé mon dernier match, je vais marquer. Donc Islam, on compte sur toi. Je pense que... Allez, ah, je vois bien Aouar marquer ce soir, tiens, il va se rattraper du match. S'il est titulaire, il marquera, ok? Pareil, les remplaçants, quand on fait appel à vous, vous rentrez, essayez de courir, hein, parce que vous courez plus en vous échauffant sur le côté que sur le terrain, donc ce n'est pas le but, hein. Le but, c'est de courir avec vos copains. Donc bon, faites-nous plaisir, bon match à toutes, bon match à tous, on se retrouve demain pour le débrief, en espérant que les premiers pronos de Jeff Tuch soient les bons. Par contre, si vous misez en écoutant ce que je vous ai dit, c'est ni rembourser ni échanger, vous vous débrouillez. Je n'ai pas d'argent à vous faire rembourser la mise. Hein. C'est comme au casino, hein. Tu payes, tu es perdu, tu rentres chez toi ou tu vas retirer. C'est le même problème pour tout le monde. Ok ? Donc bon, on se retrouve demain. Et 8 minutes de vidéo, rien que pour ça, je veux des likes. Pouce rouge, pouce bleu, activez la coche. Hein. Julien D, je le répète, c'est lui qui m'a dit de dire ça à toutes les vidéos. Il m'a dit, Seb, t'as... Une phrase à dire, c'est celle-là. Bon, je la sors à toutes les sauces. Donc, activez les pouces, les cloches et tout ce que vous voulez là. Hein. Faites le taf de votre côté. Et puis, n'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, les gones. Tchuss. Il faut être fort dans la vie. Hein. Tchuss.